et on l'appelle pour des petites bricoles. On a trouvé un adversaire qui lui n'est pas très content d'avoir la concurrence, et donc ça se chamaille beaucoup avec l'adversaire. Ah oui, là, ça castagne quand même. Ah, est-ce que Jacques est toujours aussi hypochondriaque? Hypochondriaque? Il n'est pas vraiment hypochondriaque. Ah, il a quand même, à un moment donné, il avait sur le petit ciment, des choses comme ça, non? Oui, mais ça ne dure pas longtemps. Il n'est pas le fond hypochondriaque, il n'est pas, non. Non, en fait, il aime bien faire croire qu'il est hypochondriaque. Ah, parce que c'est un roublard, c'est ça? Voilà. Ah, mais c'est un roublard, Jacques, attention, c'est un roublard. Hein. Sa mauvaise humeur latente, comme ça, qui n'est qu'une petite mauvaise humeur, je veux dire, travailler et jouer, c'est simplement pour montrer qu'il faut le craindre, c'est tout. Donc on n'approche pas Jacques en lui posant une question comme ça, indifféremment. Il faut d'abord l'apprivoiser. Ça, il aime bien qu'on l'apprivoise. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle de la femme de Jacques, Brigitte. Elle est un petit peu spéciale, on pourrait même dire qu'elle est à l'opposé. Elle est à l'opposé, totalement à l'opposé. C'est un couple qui s'est, le couple, ce qu'on s'est raconté, en tout cas ce qui était dans la Bible des personnages, ils sont connus en 68, c'est un couple très très libre. Voilà, et ça peut aussi bien, je veux dire, partir monter dans les tours tous les deux que de se rabibocher vraiment, oui, quand ils se rabibochent, Jacques et Brigitte, c'est pas n'importe où, hein, c'est forcément dans la chambre. Hein. Oui, parce qu'elle a une libido assez débordante. Oui. Ce qui n'est pas forcément votre cas, vous, dans le personnage, je ne sais pas trop non plus. Non, mais... On va même le retrouver, tiens, d'ici quelques instants, Yves, dans cette émission, parce qu'avant de jouer dans cette sitcom à succès, ce comédien 76 ans a eu une carrière longue, remplie, non seulement au théâtre ou au cinéma. On en parle d'ici quelques minutes après Dépêche Mode Personnel Jazz sur France Bleu. Strade. Na dvojna prednost na SDSM pokaže anketata na agencijata Ipsos. 60% od ispitanisite nego podržuvat francuskiot predlog, a na...